Bienvenue dans l'atelier. Je viens de terminer la motorisation des trois axes sur ma SX3, donc le X, le Y et le Z. On va voir en détail tout ce qui a été fait. Donc j'ai déjà fait en fait des vidéos axe par axe, et là on va voir en détail en fait la totalité des axes et du système de motorisation. Donc on va commencer par le boîtier de commande. Donc je vais m'approcher. Voilà, donc là on a le boîtier de commande. Ici on a le coffre en fait où il y a toute l'électronique. Je ferai ça à la fin, on verra ça à la fin. Voilà, donc ce que je vais faire pour l'instant, je vais mettre sous tension le dispositif, donc le panneau de commande. Voilà. Alors sur le panneau de commande, j'ai déjà fait des vidéos en détail là-dessus, mais là on va essayer de revenir assez succinctement. Donc j'allume les axes X, Y et Z. Donc là je mets sous tension les drivers. Là c'est la mise sous tension du système, ça c'est l'arrêt d'urgence bien entendu. Et ici j'ai les axes, différents axes en fait, le X, le Y. Alors on voit bien que le Y, bien entendu, je n'ai pas encore terminé l'environnement graphique sur cette page. Donc pour l'instant, je vais voir ce que je ferai, c'est très sommaire. Donc le Z, le X et le E, par contre, sont complètement terminés. Voilà pour le tableau de commande. Donc lorsque j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, ici, là, à ce moment-là, bien entendu, tout va s'éteindre et j'aurai un voyant rouge de sécurité qui s'allumera pour me prévenir qu'il y a eu l'arrêt d'urgence, soit je l'appuie volontairement, soit accidentellement. Mais au moins que j'ai un indicateur qui puisse me le montrer. Voilà, j'arrête tout. Voilà, à ce moment-là, tout a été coupé. J'ai bien le voyant rouge qui est allumé. Je remets sous tension. Voilà, et là, tout se rallume sans aucun souci. Voilà pour la partie panneau de commande. Donc, on va revenir en détail sur le fonctionnement. Donc là, j'ai deux potentiomètres, celui-ci pour le X, celui-ci pour le Y. Donc là, je vais faire une avance de la table, du X. Donc pour les passes, bien entendu, j'ai différentes vitesses. Donc je peux aller très très lentement. Bien sûr, on va repartir dans l'autre sens. Alors pour démarrer, bien entendu, c'est une impulsion à droite pour la droite et une à gauche pour la gauche. Donc je vais aller un peu plus vite. Et pour l'arrêter, une autre impulsion. Alors j'ai prévu que si je reste appuyé, le système s'arrête, bien entendu. Et au même titre que si j'appuie longtemps alors qu'il est arrêté, eh bien, il s'arrête immédiatement. Voilà. Donc ça, c'est pour une petite sécurité, pour éviter, on ne sait jamais, en cas d'un appui accidentellement, voilà, que ça puisse s'arrêter. Donc maintenant, on va voir pour le Y. Donc c'est toujours la même manette, mais bien entendu, là j'avance. Donc là, j'ai le potentiomètre ici. Voilà. Pareil, je peux ralentir la vitesse. Alors, on peut voir ici cette molette. Ce petit volant, voilà, ça me permet, donc je vais l'arrêter, ça me permet en permanence de pouvoir reprendre la main, et voilà, si j'ai besoin de faire une avance ou quoi que ce soit, hein, quel que soit le besoin, je peux avancer ou reculer manuellement. Voilà, je veux garder, avoir la possibilité d'avoir toujours en fait une commande manuelle. Donc là, j'ai prévu de mettre un levier, je verrai comment, j'ai plusieurs idées, mais je ne veux pas que ce soit encombrant, surtout. C'est pour ça que j'ai fait quelque chose de très fin, très discret. Mais par contre, très fonctionnel. Voilà, je peux revenir, avancer, surtout pour les finitions. Voilà, donc je reviens. Donc là, j'accélère. Alors, bien entendu,
Voilà, il s'arrête tout seul. Il y a une certaine course où il s'arrête. Donc, c'est prévu de faire les courses maximales, en fait, en avant et en arrière, et qu'il s'arrêtera automatiquement. Pour l'instant, je ne l'ai pas prévu, mais ça c'est prévu dans un futur très proche. Voilà, donc je repositionne le X. Je peux bien entendu en même temps avancer le Y, arrêter le X, le reprendre, arrêter le Y, le reprendre, sans que ce n'ait aucune incidence sur le reste. Et j'arrête tout. Donc bien entendu, je peux également avancer le X, le Y et le Z. Je peux arrêter le Z et bien entendu les autres axes par la suite, sans aucun souci. Voilà, on a fait le tour. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est l'environnement graphique pour l'Y. J'ai encore quelques petites améliorations à faire au niveau du X en mettant un volant, le même que celui-ci, en fait, un petit volant très discret qui me permettra de rattraper. De peindre en fait le carter ici en rouge, ce petit carter. Donc bien Par la sûr, tous suite, les bien carters entendu, sont les comme axes ça. seront passés, tous les axes seront à vis à vis. Donc ça sera quand même plus pratique, surtout plus précise, puisque c'est le but recherché. Voilà, j'ai fait le tour de la finalisation, donc de la motorisation de ma SX3. Je suis très satisfait. Alors bien entendu, j'ai d'autres projets là-dessus, comme je venais de dire, donc je vais monter des vis à vis. J'ai aussi en projet, pourquoi pas, d'en faire une CNC, mais bien entendu, une CNC très particulière, puisque je veux garder ce système manuel. Donc normalement, c'est on garde le conventionnel ou on passe en CNC, et j'aurai les deux, j'aurai la CNC et le conventionnel sur la même fraiseuse. Donc là, maintenant, c'est réalisable sans aucun souci, puisque ensuite, dès que j'aurai mis les vis à vis, ça ne posera plus aucun problème. Et puisque j'ai déjà fait le système en conventionnel, mais motorisé, et même en manuel, donc rien n'empêchera de pouvoir coupler les deux, et ce qui sera peut-être une première pour ce type de fraiseuse. Voilà le coffre contenant toute l'électronique. Donc on ne voit aucun fil. J'ai un meuble qui est passé devant. En fait, j'ai profité justement de ce meuble pour pouvoir cacher un peu tout ce câblage. Donc en fait, si on regarde un peu à travers, on voit le transformateur, on voit un peu de câblage, mais il faut vraiment se baisser, sinon on ne voit absolument rien. Voilà, je vais ouvrir le boîtier, mais avant, juste pour montrer que pareil, on ne voit quasiment aucun câblage. Là, j'ai juste en fait un passe-câble en chaîne. En fait, le principe même qu'on peut trouver sur des CNC ou des imprimantes 3D, puisque là, la table est en mouvement, donc il n'y a pas le choix. Je suis obligé d'avoir en fait un système comme ça. Donc, c'est pas du tout encombrant, bien au contraire, et surtout, tous les câbles sont fermés et ça fait que rien ne peut être accroché. Et là, c'est pour le Y, j'ai juste en fait un gainage qui est attaché en bas et en haut. Donc en fait, il a juste la course suffisante pour ne pas être tendu et s'arracher. Voilà. Donc maintenant, on va voir l'intérieur du boîtier électronique. Pour le coffre contenant la partie électronique, donc il se trouve en partie sous l'établi où se trouve la fraiseuse. Donc voilà, je prends un peu de recul. Je vais retirer en fait le meuble, voilà, qui lui est sur roulette. C'est quand même plus pratique. Voilà, donc en fait ici on voit bien le boîtier avec le câblage, l'alimentation 32 volts et avec le faisceau électrique. Donc j'ouvre, c'est une simple vis molette. J'ai fait ça rapidement. Voilà. Alors là, on a donc, on prend un peu de recul. Donc j'ai les drivers avec toutes les connexions. Donc X, Y et Z, donc de gauche à droite. Ensuite, j'ai la partie électronique, donc avec les microcontrôleurs, donc transformateur et réhausseur de tension. J'ai donc un relais pour déclencher en fait avec une sonde thermique. Pour déclencher en fait des ventilateurs, donc un en entrée et un en sortie ici. Voilà. Donc ensuite j'ai toutes les sorties derrière. Donc je ne sais pas si on peut bien voir.
Donc en fait, j'ai les sorties, j'ai en bas, j'ai les deux potentiomètres, ensuite j'ai l'écran, j'ai le système général, j'ai l'alimentation. Plus bas, j'ai la gestion des drivers, j'ai gestion donc des commandes de la manette. Et c'est tout. Voilà. Voilà pour la partie du coffre. Voilà, QI est très bien protégé, hein, dès que je place en fait. Dès que je place le couvercle, j'ai juste une vis molette ici. Voilà, j'ai fait ça pour que ce soit beaucoup plus pratique. Ensuite ici, mais bien sûr, tout est hermétique, donc rien ne peut rentrer. Hein. Et de toute façon, l'aspiration, j'ai placé une petite grille en fait pour éviter l'entrée surtout des insectes. Voilà. Puisque la poussière, normalement, il n'y a pas beaucoup de poussière dans l'atelier. Et le boîtier en aspiration est placé sous l'établi. Donc, pour les copeaux, tout ça, il y a très peu de chances que quelque chose puisse passer là. Il y a une grille aussi également à l'entrée. Voilà pour cette partie-là.